cendrier. J'aime chanter, danser, parmesan et la poule viendront me visiter. On chante des ritournelles, on joue dans les poubelles. Oh que la vie est belle pour les clowns de la ruelle. Oh que la vie est belle pour les clowns de la ruelle. Oh que la vie est belle pour les clowns de la ruelle. Salut les Max, ici Cendrier. J'espère que vous avez passé une maudite belle semaine. Ben moi, elle était pas payé, sauf que je me suis fait opérer pour un abcès, puis ça m'a coûté 800$. C'est assez rough. Belle gang de valeurs. Fait que les jeunes, c'est pour ça qu'il faut pas fumer. Pas trop, en tout cas. Sinon, on est là quand même, on est là. Hein, malgré que le maquillage n'arrête pas d'augmenter, mais bon. On s'en beurre pas épais, ben, déjà qu'on est assez beurré. Mais, je veux-tu bien me dire qu'est-ce qui pue de même? Ça sent l'évidence, moi. Je sais pas c'est quoi, mais il m'est comme arrivé une swift de fond de culotte, là, je sais pas. Ah ben, salut, Cendrier! Parmesan! Ben oui, c'est moi! Parmesan, là, c'est plate à dire, là, mais tu pues parmesan. Ben voyons donc! Faut que je le dise, là, c'est pas le fun à dire, c'est pas le fun à entendre, mais tu pues parmesan. OK, Cendrier! Là, ça te prendrait une petite douche, là, puis peut-être laver ta chemise, là, ça fait 3 mois que ça porte. Ben là, je peux pas la laver, c'est ma chemise porte-bonheur! J'ai passé la semaine au combat de coq. Ah ouais, puis t'as-tu gagné ou quoi? Ben, c'est bien que non, là. Pour moi, ils m'ont passé l'été en dedans. Elle se payera pas tout seul, cette étiquette-là. Calvaire, parmesan. La ruelle entière a pu le swing. Ben oui, ben ça tombe bien. Je voulais vous chanter ma chanson du swing. Ah ouais? Ben, pas moi ça. OK, Mégo, musique! Et je sens le swing, swing, tout partout autour de moi. Les gens se retournent toujours parce que je pue trop détour. Pas besoin d'un détective, je fais jamais la lessive. Je trouve mon inspiration dans la transpiration. À ma fête, mon cadeau, c'est toujours du déo. Et je sens le swing, swing, tout partout autour de moi. Encore une fois, et je sens le swing, swing, tout partout autour de moi. Une dernière fois, et je sens le swing, swing, tout partout autour de moi. Ça pue. Ben en tout cas, ça fait du bien de bouger de même un peu. Ah, plus tu bouges par maison, plus ça pue. Ça gratigne les yeux. Bon, là, l'autre. Le trio Aldress. Salut la gang! Salut la poule! Salut la poule! Ouais, ça sent la belle swing, ça! Ah ouais, ça c'est Parmesan qui a décidé de faire une petite raclette au fromage. Ah, oh, c'est accompli. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben les gars, je vous ai trouvé du stock show. Stock show, montre-moi donc ça. Je vais te montrer ça certain. Ici, j'ai un chargeur de téléphone. Je sais pas s'il marche. J'ai un paquet de batteries. Puis j'ai aussi un rasoir jetable. Oh, mais c'est toutes des cochonneries, ça! Ouais, attends, t'as peu. J'ai aussi un sandwich au beurre de pignotte. Hey, je le veux, ça. Ah, de 3$. Moi, je vais le prendre. OK, 3$, voilà. Puis, pour toi, ici, là, j'ai une nouvelle perruque, Cendrier. Oui, mais c'est quoi, cette perruque-là? Elle est toute mouillée, passant la friture de patates frites. Voilà, c'est mieux que le chômeur que t'as sur la tête. C'est pas du pays. Voilà, voyons, alors. Bon. Essaye ça. Où c'est que t'as trouvé ça, là? J'ai trouvé ça dans le parking de l'hôpital. Bon, on va la mettre, là, parce que je veux pas le fouiller, ça, mais... Ah, oui. Puis, c'est comment? Cendrier, là, avec ça, t'as l'air de Bozo, le clown. Ben là, mais pas trop, là, disons. Là, les Mox, c'est l'heure de jouer à la queue de cochon. Ça vous tente-tu de jouer, les amis? Ben oui, ça nous tente, certain. Tu es pas compliqué. Tu te mets une ballonne dans les fesses puis t'essayes d'attraper celle de tes amis. C'est bien le fun. J'ai chaud. Tu gagnes tout le temps à queue de cochon, Cendrier. Ah oui, mais j'ai les fesses fortes à force de faire des grosses crottes. Ben oui. Je vais y arriver. Je pense que ça va être mon heure, les boys. Ouais, moi tout, m'en faire un petit bout, moi. Salut, bon, Cendrier. Ben, on va faire un petit bout, moi aussi. Fait que, on se revoit la semaine prochaine, les Mox. Ben, ils sont au cours assez vite. Fait que, merci, puis game over. Hey Alain, je peux-tu te bomber une toffe? Ah, calvaire, je suis pas le dépanneur, moi, les gars. Ah, là. Juste une. Attends un peu, là, l'autre coin de rue. T'en donnes, moi, d'habitude? Tu m'en as jamais donné. T'en ai donné une fois. Tu m'en as jamais donné. Salut!
Moi, c'est Léopold. Puis j'ai une shop de porte et fenêtre à Boisbriand. Si t'as besoin d'une porte ou d'une fenêtre, je suis ton homme. Mais donne-moi un délai raisonnable. Arrive-moi pas en me disant que t'as besoin d'une porte en chaîne pour demain parce qu'il annonce une tempête de neige. Ça marche pas comme ça. Parce que moi, à mon âge, j'ai plus le goût de travailler à la course. Puis j'ai pas envie de mettre de la pression sur mes employés. Parce que j'ai pas osé, moi, qu'un employé stressé, là, ben c'est un employé qui sera pas concentré sur ses outils puis sur son bois. Puis ça va paraître dans le produit final, ça, là. Puis je pense que mes employés, là, ils ont assez de pression à l'extérieur comme ça. Prenez Mario, qui m'a annoncé la semaine passée que sa mère avait fait un AVC. Là, je l'ai dit à Mario. Là, tu vas prendre un congé illimité, là. Payé! Puis moi, je vais faire venir de la Californie le meilleur spécialiste des AVC. Parce que c'est comme ça ici. On n'est pas une entreprise. On est une famille. Fait que si tu es capable de prendre ton mal en patience, là, tu sais, on va te faire une belle porte en chaîne. C'est sûr, ça coûte plus cher. Une chaîne, ça dure toute une vie. Bref, ce mois-ci, on a un spécial. Si tu nous achètes une porte, tu reçois les peintures gratuitement. Merci. Bien bonjour, je suis très content cette semaine. J'ai un invité de marque, vous le connaissez, Arnaud Soli, mais moi je me plais à l'appeler Arnaud Soleil. Parce qu'il illumine nos journées depuis maintenant plus de 30 ans. J'ai le goût de vous faire entrer dans son univers, parce que c'est une drôle de bébite, là. Je vous avertis à la maison, mais j'ai le goût qu'on s'éclate un peu. Ça se peut-tu ça? Ça sera pas une entrevue comme tu fais à Radio-Canada. Là. OK, c'est pas, non, ça va être... Ben non, mais moi, je suis prêt, man. Okay. On s'amuse. Alors, celle-là, mais... Es-tu plus Backstreet Boy ou Pizza Hawaiian? Oh, si bon, ça part fort! Fait vraiment chaud dans ton studio, là. Je sais pas si c'est fucking chaud, man. Ça va pas aller en s'améliorant, je te le dis tout de suite. OK. Sinon, ben, j'avais aussi des tunes avec des noms de bouffe à chat. Ah! Oui, alors... J'ai perdu le dos de ma boîte de Friskies. C'est-tu que ça marche pas, mais. Mais c'est le seul que j'ai, parce que c'est la seule. C'est la seule marque de bouffe à chat que je connais. Ça marche pas, mais. J'ai pas de chat, je suis allergique aux chats, fait que c'est juste celle-là que je connais. Embarque dans mon univers, là. Ouais. Fait vraiment chaud, hein. Aimerais-tu mieux faire du bungee avec le chien de Michel Richard ou faire un album de rap avec Bernard de Rome? Mais je pense qu'un chien, quand ça fait du bungee, ça se met à chier dans les airs. Je sais pas. Je sais pas ça. Ça se peut. OK. Google that! On m'a dit que t'avais ouvert des fight clubs un peu partout dans la province. Ouais. Mais... Donc, on m'a dit... On m'a dit ça, c'est oui. Bon. Ben oui, ben celle-là... Donc, on m'a dit que t'avais ouvert des fight clubs partout dans la province. Mm-hmm. Ça, c'est un bon plan d'affaires, parce que c'est compliqué, parce que tu peux pas en faire la promotion, parce que t'as pas le droit d'en parler. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle... C'est des arènes de combat. Comment ça marche? C'est, dans le fond, c'est avec une app, puis t'es géolocalisé. Fait que ça marche-tu? Ça marche quand même bien. C'est pas full rentable en ce moment. Ouais. Nous, c'est sûr qu'on est plein d'investisseurs là-dedans. Là. Moi, je sais pas mon idée. Là. J'ai mis non. 40 000, mais... Ouais. Fucking show, man. Toi, t'as fait beaucoup d'impro aussi. Est-ce que tu pourrais me refaire ton impro préféré au complet? Ouais. Au complet? Au complet. Ben à la virgule près, s'il te plaît. C'était... OK. Ben, c'était une comparée. C'est dans le temps que je jouais dans l'esquisse du Vieux-Montréal. Ah. C'est... je vous mets en contexte. On est cinq, là, à table. Moi, je suis un père de famille sévère. Tu sais, c'est une impro. Ah oui, je vois bien dans ce rôle-là, oui. Fait que... Puis le thème, c'est la tempête, hein? Fait que okay. Tu peux imaginer qu'est-ce qui va se tempête passer. Tempête émotionnelle. Tu verras. OK. Le Léon, t'es en haut! Il
plugué. Je sais pas si tu peux te lever. Je peux le faire les autres personnes. Ben, bon, ben, ça va être ça. Ben, ça finit comment, mettons? Ouais. Il devait se rendre à... À la foire. Voyons! Je n'y laisse pas. Il devait se rendre à la foire agricole, toute la famille, pour un concours de grosse course. Puis là, il tu sais, la tempête, fait qu'ils peuvent pas partir. Puis là, ils sont tous dans le char. Puis là, le père, il dit... tu sais, là... Puis c'est super intense, là. Bah, ouais. Tu peux imaginer, là, tu sais, il pleut, puis tout. Ouais. Là, le père, il dit... J'ai un aveu. On l'a mangé, la petite courge. Tu sais, ça se passe tellement pauvre, là. Puis là, tu sais, à ce moment-là... En terminant, t'es le roi de Instagram. Fait que moi, je veux savoir, tu fais comment pour installer ça, Instagram, sur un téléphone? Je sais pas comment le... Ouais, c'est ça. Puis, ton sel, il est plein de sueur. Il est tout... il est tout mouillé, man. Non, c'est ça, c'est parce que... Hey, salut tout le monde, moi c'est le Superdom, pis wow, là j'ai... Ouais, ok. Ben, moi c'est le Superdom, pis aujourd'hui je suis super content parce que je vais faire une super bonne blague. Je vais appeler un numéro de téléphone au hasard pour lui jouer un tour. Ça va être impossible de pas rire, hein? Mais vous aussi à la maison, ça, je vous garantis... Garantie de rire, 100% garantie. Signé Superdom Inc. Fait que je compose un numéro. Hey, il faut que je me capte. Ça sonne. Ah, ça répond. Oui. Bonjour, madame. Monsieur. Oui. J'ai une petite question pour vous. Oui, allez-y. Est-ce que votre frigidaire marche? Oui, mon frigidaire marche. Alors, mettez-y une laisse. Ben non, c'est juste une petite blague, là. Vous êtes fait piéger par Superdom, le roi des clowns. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas où vous êtes. Mais sachez, monsieur, que je suis un ancien béréveur, moi. Puis je vais vous trouver. Puis je vais vous faire souffrir longtemps. Je vais tuer tous les gens de votre famille devant vos yeux. Puis après ça, c'est vous que je vais tuer. Je pense que je vais aller me cacher à la rivière des Étrons. Bon, ben moi, c'est Claude Crest. J'étais comique. 90 ans. 90 ans, Claude Crest, là. Une petite phrase que j'aime bien dire, c'est que qu'est-ce que c'est que j'ai sur la tête, c'est pas mes vrais cheveux. Puis qu'est-ce que j'ai dans la bouche, c'est pas mes vrais dents. Sans oh, vraie moustache, par exemple. Les oreilles vont venir rouges. On est tout en train de devenir rouge. Au début de ma carrière, il n'y a pas une place où je n'ai pas joué. J'ai joué dans des camions de déménagement, ou ben d'une porcherie et d'une pouponnière. À un moment donné, j'ai même fait un spectacle d'une bibliothèque. La bonne femme, elle vient me voir et dit « Monsieur Crest, faudrait que vous chuchotiez vos jokes. Ben, si je chuchote, personne ne va entendre mes jokes. » Elle dit « Ça serait peut-être mieux de même. » Elle était capable de me tirer à la pipe, la bonne femme. Ça, c'est des contrôles, c'est mon gérant qui me pognait ça. Puis Pierre Harrison, mon gérant, 70 ans, c'est mon gérant, 70 ans, il me faut long comme le bras. Un asti de trou de cul, Pierre Harrison, un asti de crosseur. Et il m'a dit, il faudrait pas que je le croise dans la rue parce qu'il fera pas chaud. Il verrait que même à 90 ans, il pourrait lui faire manger de la soupe aux dents. Asti de trou de cul. L'asti de trou de cul à Pierre Harrison, il m'avait booké la tournée des mises à mort des pénitenciers. Parce que dans le temps des pénitenciers, il y avait encore les chaises électriques. Hein, puis quand il faisait ça, il y avait tout un petit public qui est là. Fait que moi, j'arrivais avec mon petit système de son, mon petit micro, puis je me mettais à tirer la pipe à tout le monde, là. Au public, au gardien de prison, à monsieur le curé. T'aurais même la pipe au condamné. Ah, il riait pas beaucoup. Tu sais, j'avais pas autant d'expérience qu'aujourd'hui, là. T'es tough. T'es pas mal tough, ouais. Les plages de nudistes. Ça, c'était tough. C'est parce que quand tu joues dans un cabaret pis que tu fais une joke à un gars comme quoi qu'il y a une petite bisoune, le monde peut pas savoir, il porte des pantalons, il voit, il voit pas sa bisoune. Et quand t'es sur une plage de nudistes, t'auras beau dire que le gars, il a une d'un pouce et demi, il voit bien que c'est pas vrai, t'sais. Et trouver ça tough. Et trouver ça bien tough. Encore plus que les condamnations à mort. Bon, ok, coupe ça, là. J'ai plus envie d'en parler, là, t'sais. Pas des beaux souvenirs.